Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Et vraie question, comment allez-vous? Bon, j'ai mis un petit peu de temps à démarrer parce que j'essayais de régler des problèmes avec ma caméra. Parce que je me trouve vachement blanc, dans le sens où normalement les couleurs elles sont un petit peu vives habituellement quand je stream en journée. Et là, je trouvais que c'était pas le cas du tout. Donc, j'ai essayé de régler ça. Et j'ai notamment regardé sur mon dernier stream que j'ai fait en journée où j'avais un bon soleil et c'était le dernier stream Genshin justement et là je sais pas pourquoi mais vraiment ma caméra je enfin je sais pas je me ma peau on va dire elle est elle a pas cet aspect un petit peu ensoleillé juste là tout blanc. Pff, bref c'est peut-être parce que je suis moins bronzé qu'avant mais non je trouve ça je trouvais ça bizarre enfin là attends on va faire la comparaison bah oui bah là ça se voit. Regarde la différence de couleur. À quel point elle est grande cette différence. Et même là, quand on avance, ouais, ça se voit. Là, je suis. Ma peau réfléchit la lumière. Bref, ça m'a perturbé, donc voilà. C'est juste pour ça que j'ai mis du temps à démarrer. Bref, bienvenue sur YouTube pour cette 222e VOD de Genshin Impact et pour cette 222e VOD, nous allons faire le deuxième acte de Natlan et c'est rigolo du coup. Mais bref, voilà, j'ai déjà fait mes quêtes quotidiennes tout à l'heure. Donc voilà, j'ai vu que j'avais le théâtre à faire, je l'avais totalement oublié. Mais le théâtre, je le ferai probablement en off. Mis à part ça, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Donc c'était il y a 2 semaines, il me semble, que j'avais joué. Je n'ai toujours pas commencé à faire mes quêtes à Natlan parce que je ne sais pas comment on débloque les quêtes à Natlan. Pour moi, fallait aller dans un endroit comme ça. Mais peut-être qu'il faut aller à toutes les tribus. Ouais, si c'est bien, si on parle bien de tribus, mais je crois que oui. Faut bien aller dans toutes les tribus pour faire ça, j'imagine. De souvenir, fallait aller justement dans ce logo-là, dans la région, pour débloquer les quêtes de la région. Mais écoute, bah là, j'ai pas pu les débloquer. Donc bref, c'est pas grave. J'essaierai de le. On verra là avec l'acte 2, parce que vu qu'on va finir l'acte 2 là, je sais pas combien de temps il reste. 3 jours. Ah oui, donc la prochaine mise à jour, elle est bientôt. Mais voilà, je pense que on pourra voir après le stream, enfin après avoir fini l'acte, on ira partout, on ira là, on ira là, on ira. Bah je crois que c'est tout parce qu'on a que 3 tribus pour l'instant. Ici, j'y suis déjà allé. Là, j'ai démarré la quête rouge également, qui est vraiment la quête principale des tribus. Je ne sais pas si je les montrerai en stream, honnêtement. Voilà. Pff. Même si c'est des quêtes avec du doublage et que les quêtes de doublage, je veux les montrer en stream. Voilà, pour le coup, je sais pas. Hein. Enfin, moi, c'est Jet Level. C'est jet tier, je te dirais, donc je sais pas si ça vaudra la peine. Bref, et bah écoutez, sur ce, on est y part. Alors. Oui, il faut aller tout droit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Bah, on était. On a fait le début du. Enfin, on a fait le tournoi. En soi, en tant que Mualani et en tant que Katshina. Et Katshina a battu Mualani dans une petite animation sympatoche. Derrière, Katshina et plein d'autres persos que nous verrons pendant cet acte ont été qualifiés, on va dire, pour la finale de ce tournoi. Ah oui, j'ai peut-être pas pris le chemin le plus efficace. Ah mais c'est des ennemis, eux! Putain, vu que je croyais qu'on était à côté de PNJ, je pensais que nous serions safe. Et donc du coup, bah, avant que ça démarre, ce fameux acte, eh bien nous sommes arrivés à la tribu de Mualani, où il s'est passé un incident où nous sommes fait attaquer par des méchants animaux. Enfin, et des ennemis, des abysses surtout. Et voilà, et maintenant bah, on va démarrer l'acte 2. Et je sais absolument plus sur quoi on s'est stoppé exactement la dernière fois, mais c'est à peu près ça. Donc on est parti. Attends, remarquez qu'il fait beaucoup plus froid et que j'ai un gilet maintenant. Ça s'est tellement rafraîchi. Vraiment, dans la nuit, quand je veux dormir dans ma chambre, je suis obligé d'avoir une espèce de plaid
au moins à mes pieds parce qu'il fait trop froid dans ma chambre, c'est fou. Elle fait beaucoup de mouvements pour rien. Ah mais on les voit pas faire leur truc. Parce que là, Ketchina est tombée au combat. Ah bon? je pensais qu'on la verrait, nous. Acte 2, pierre noire sous des blanches. Comment ça, des noirs sous des blanches? Comment ça? Rendez-vous au stade du Sanctifeu. D'accord. D'ailleurs, j'ai des TP à récup. Mais je suis jamais allé au stade. Mais faudrait que je me balade un petit peu, genre moi-même, en mode de chillax. Après, j'ai récupéré pas mal de pierres Oculus. Je sais pas si je les ai encore sur moi ou si je les ai posées à... Mais je crois pas. Si je les ai posés au... Non, je les ai pas posés. À la statue des 7. Ah. Pourquoi on a un temps de chargement et pas juste un fondu en noir? Parce qu'on a une animation? Ah oui. Ah non, c'est même pas une animation, je pensais. Et là, c'est quoi l'histoire? Ketchina, elle est censée être ressuscitée, et elle ne le sera pas. ああ、依頼の処理に思ったより時間がかかったが、なんとかな。うん。幸い大事に至らずに済んだよ。おい、見ろ。もうすぐ始まるんじゃない。そうみたいだね。まず、弔辞が述べられてから、みんなで一緒に梵言の歌を読む。さ、よく見える場所を探すから、高いところにいれば。
あなたの勇士たちよ。我々は記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち、運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。 Comment notre personnage y connaît la chanson? Ah! C'est une secte. Je le savais. これまで戦争で勝ったなのに、エンジン様はヤガミの国で勝ちの見つけられなかったんだ。またお前なんか。勝ちなに負けたのか。みっともない真似はよせ。根拠のない憶測はやめろ。私たちはアビスと戦う任務を完遂っつっても、いろんな勝ってもあいつだけは大礼に認められなかったってことだ。 あなたの英雄をそんな言葉で侮辱しないで。カチーナちゃんはアビスとの戦いで命を捧げて、今も帰ってきてないんだよ。落ち着け、ムアラニ。こんな奴と争っても。でも侮辱されたままなんて。英雄の侮辱だと。<笑>あいつが英雄だったらの。<笑>この場にいるみんなも考えてみろ。 あの嬢ちゃんに問題があったのか。エンジン様とナタのルールに問題があるのか。<笑>確かに反魂の歌で復活できないってことは、もしかして大礼は勝利に対して。それにあの女の子。おいらはカチーナが戦いから逃げたな。そうだよ。たとえどんな困難にぶつかろうと、 恐怖に打ち、事情が明らかになるまで、カチーナちゃんの悪口を言って。<笑>まあいい。余人者の戦争で何が起きたか。もういい。戦争を勝ち抜いた全ての者に疑惑の目を向けることは許されない。カチーナも我々が敬意を払い、だが彼女が再び燃え盛らなかったのもまた事実。他の被害者を出さぬよう、 調査が終わるまで非課制夜の巡礼をしばし中止とする。すべてを予見し、一切の過ちを未然に防げるものはいない。疑うことは真実を求めるための手段。決して他人を攻撃する武器にしてはならない。そんなつもりはありません。なら直接私に問うといい。無論その返答を疑っても構わない。いえ。 疑念を抱いているというのに何も聞かないとは。君たちにとって真相。こいつら名誉を守るどころかエンジンに。エンジン様、質問よろしいでしょうか。
私の友達はカチーナちゃんはどこにいるんでしょう。私にとって無礼を承知で申し上げますが、現時点で把握していることは全て伝えた。どうだ。はい、よろしい。では談義室に来てくれ。私たちも行こう。ああ、せっかくの機会だ。もし旅人も都合がつくなら、調査に進展があれば各部族の長に伝えよう。他に質問がなければ解散とする。こたびの再燃の儀式の至らぬ点においては。うえ、さっきエンジン様がああ言ってくれたんだ。Nous allons voir ce qui va se passer. Eh bien. Ah, et du coup, t'as que les personnages jouables qui viennent et pas les randoms. Kachina ga valera nata no eiyu de aru koto wa Yagami no kuni de geiin fumei no soudou ga oki. Geiin o tokutei shi, jōkyō o dakai shinai kagiri, hangon no uta wa本来つまりカチーナが、ああ、ヤガミの国の問題が解決するまでしばらくって、具体的なことは何とも言えない。カチーナちゃんはずっと余順者の戦争に参加することを夢見てきました。あの子は絶対に犠牲になることを恐れません。稽古に疲れて二人で一休みするとき、あの子はいつも困難を乗り越えた後ここに帰ってきて、みんなと抱き合いながらあの子を応援してきた人たちは一体どんな気持ちで安心して彼女の帰りを待てばいいのですか。言い過ぎだ。構わぬ。君の怒りと悲しみは理解できるからな。できれば私もいち早くカチーナを連れ戻し、今直面している難題を詳しく説明しよう。先日竜戦の州が襲撃された件と照らし合わせて考えるに、ルールを周知の通り、成果はナタがアビスに降するための根幹だ。もし引き続き非化聖夜の巡礼を開催し余巡者の戦争を行えば、しかしこのまま取りやめれば成果の力が次第に弱まり、各地にアビスが溢れてしまう。両者を比較すると後者の方がより危険ですね。悪い、こんな無情な話はしたくないが、マリポのキーニチとして事実の残酷さを十分に理解してこそ怒りに駆られず。だがこたびの災難の当事者であるムアラニにとってキーニチのように、はい、私には分かりませんし。なら私が帰化聖夜の巡礼を中止にしようがしまいが。はい、カチーナちゃんのことは心配でなりませんが。問題の核心はそこだ。単純な比較や選択に頼っても私がどの選択をしようとそれぞれ犠牲者が出る。そのような疑惑が浮かび上がれば、団結してアビスに立ち向かっていた人々の心は離れ、あの者らの最終的な狙いは反魂の歌に関するルールを乱すことだけでなく、故にカチーナのような二人目の犠牲者を出さず、かつその上で成果を盛り返す方法を模索しアビスを阻止する。ここまでの話で君の怒りは少し収まったかな。エンジンがここまで丁寧に説明してくれるなんて。先ほどは感情的になってしまい申し訳。成果の力を維持することが問題なら余巡者の戦争だけを。それも考えたが、長きにわたり余巡者の戦争が中止となれば非化聖夜の巡礼を勝ち抜いた際の栄光も失われ、それに伴って家畜の炎の量が減っていく。カチーナちゃんはアビスに人質に取られたのでしょうか。他の国でも地脈という概念を聞いたことがあるだろう。短い間ならヤガミの国に滞在しても特に問題はないが、個の存在が飲み込まれる速度が上がり最終的に無数の魂と一体化してしまう。一杯の水を川に注ぎ込み、そして再度すくい上げても元の水とは異なる。これが彼女の直面している危険となる。先ほどエンジン様がおっしゃったように、カチーナちゃんを探すことは私に任せていただけないでしょうか。アビスがカチーナにもたらした危険は
君にも同様に起こり、カチーナちゃんが助けを待ってる。予順者の戦争で彼女を守れなかった私の、オイラたちは了解した。では君たちの行動を全力でサポートしよう。名園の主は地脈から古名を抽出する技術を習得している。カチーナの古名が見つかれば、私は両者のつながりを利用し、そしてその次が最も困難なのだが、そこって魂の国なんだよな。通常ならそこに入れるのは私たちの意識のみだが、人をそのまま送る方法もある。だが八神の国による拒絶に加え、アビスの力による侵食にも耐え、私は構いません。私もです。アビスの力と戦うことにはとっくに慣れていますので。ビビってるのってオイラだけ。名園の主シトラリは以前、大霊と意思疎通を図るための道具、本来は部族の長が儀式で使う道具なのだが、数日前かがり木の民に届けたが、今回の件で役に立つとはな。いろいろと助けていただいて。ビビたる力だ、霊には及ばない。むしろ助かったのは私の方だろう。君たちと初めて言葉を交わすというのに、君の功績は耳にしていたよ。君がナタに足を踏み入れた時からずっと。なんでだと？他の国でもそのような待遇を受けてきたのではないか？最初はそうでもなかったけど。何しろ君たちは運命をも凌駕するものだからな。機会があればまたゆっくり語らおう。君が思っているより緊急事態でさえなければ、今宵は杯を交わし。あ、そうだ、エンジン様、アテアおばさんから この中には私の思いと意志が宿ることでしょうと。この日がこうも早く訪れるとは。彼女の命を象徴する炎が、だが流泉の州の温泉で直接手渡ししてほしかったな。安心してくれ、これは私にとって大切なものだ。帰化聖夜の巡礼を中止にしたのは、拡築の炎の量とは関係がないんじゃないですか？ああ、そもそもとっくに足りていないからな。アビスの侵食が進行したことで炎元素力はひどく不足している。帰化聖夜の巡礼が何の役にも立たないなら、いっそのこと中止にし、カチーナが八神の国に迷い込んだのもアビスの最悪の表彰に過ぎない。はあ、確かにこのことをみんなに知られてはいけませんね。ああ、じきにナタが滅びると民衆が知れば。だが私が何も言わなければ対立は激化し、我また二択の問題ですね。私はただ犠牲者が少ないからといって、行こう、まだ対策は取れる。もしかして、あ、Et je me dis vraiment, si un jour on a bien l'anime Genshin et qu'il retrace toute l'histoire de Genshin, ah, y aura des moments réunion en mode moi réincarné en slime. Il y en aura beaucoup, il y a beaucoup de blabla dans Genshin. Eh, Genshin, c'est un peu un isekai finalement, pour nos persos principaux. Eh, finalement.大霊に選ばれし者はすでに運命に定められた冒険の道を歩む。我々にできるのは、だとしてもエンジン様自ら。私の他に、この身は強大な力を持つが、それは決して好機を意味するわけではない。あ、アニメーション。Oh non, des fatuis. Nous nous sentons menacés. Ah. Plutôt gros fatuis, lui. Un premier siège. Hmm.
なのに500年前の約束は未だ果たされていない。お前が神の心を持っていたところで何の役に立つ。その口ぶり、女皇の命以外にも来た理由があるようだ。気球の時には誰かが救世の責務を果たさねばならない。お前の計画が滞っているなら、俺がナタのために新たなルールを作ろう。だが神聖の前には破滅が必要だ。長話をする気はないようだな。ああ、君は私のような人間は言葉より力だったな。永遠の主か。命令だ。隊長とその幇助者をすべて見つけよ。大丈夫ですか、エンジ様。ça c'est rigolo, elle s'est battue avec l'arme de Kinich du coup. さすがファトゥス第一だけのことはある。エンジン様に匹敵する人間が。この世界にいるとは。彼はスネージダヤの女皇のために来たんでしょうか。確かに彼はナタについて。ファトゥスたちは神の心に対して共通の認識を持っているものの、あの隊長も。Tain, la musique de fond actuelle, on dirait une musique à la One Piece. en mode trompette comme ça. 相手が動き出した以上、当面の計画は一旦中。もう時間がないのだ。先ほどの戦いで最後に与えた傷は。しばらく彼の足を引っ張るだろう。それと彼を助けたあの力は名言の主によるものだ。つまり内部に裏切り者がいる。des traîtres parmi nous. tu es un traître. そんなことはまだ言えないが、最後の一撃を打ち込んだ瞬間、その体内に何か特別な。キーニチ、名言の主のところに行って彼を助けたの。はい、すぐに向かいます。あ、案ずるな。この土地を守っているのは神だけではない。私たちが信じるべきは皆で共に見つけた
ナタの未来へと通じる唯一の道だ。エンジン様。心配無用。ただ少し悔いているだけだ。あの子たちの旅が順調であらんこと。Bon, elle a fait quoi là? J'ai pas compris. Elle a genre abandonné ses pouvoirs d'Archon peut-être? Je ne sais pas. どうやらエンジン様が手を下されたみたいだ。どうすればいいんだ？エンジン様を信じよう。正面対決であの方が負けるとは。こっちの剣を片付けたらすぐ。そうだな。じゃあ。Bon. Ouais, je sais pas si je peux y aller à pied ou pas. Ouais, on peut se TP, on peut gagner du temps.Let's go. Alors. On est d'accord, mon micro il marche encore, ouais. La fameuse déconnexion de mes ports USB. Bon, ça va que c'est moins gênant qu'avant, parce que vraiment avant c'était hyper long, il fallait que j'attende longtemps avant que la connexion surface. Maintenant ça va, c'est assez rapide.スピリットスト待て待て、せめて何に使う。友達のカチーナちゃんが八神の国に閉じ込められちゃった。助けるって八神の国に。八神の国か。あそこは戦場では一瞬で状況が変わったりする。予想外の事態が起きるのも仕方がない。気遣ってくれてありがとう。でも一人前。ま、そう言うと思った。どうしたワイナー。Donc elle s'appelle Shasuka, c'est vrai que j'avais pas retenu son nom. Putain, elle a des cils très 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 épais. Shasuka は名の知れた調停者で、どの部族も争い事が起きたら彼女に仲裁。それにチャスカには妹がいてね。食い食って子なんだけど。妹がいるのか。ああ、機会があれば紹介しよう。さて、話を本題に戻そう。君たちもすでに聞いてると思うが、八神の国は現実の世界と全く異なる。で、スピリットストーンは川に浮かぶ漁船に当たる。私がその船を。君の実力と才能からすれば、まあうまくいくかもしれ。それは？名を馳せたかがり木の民の戦士。数え切れないほど鋭い観察眼の持ち主でかなり勘が働く。それに彼の古名の意味は探察だ。ビジョンはアテアおばさんが言ってた戦友じゃない。どこに行けばその。マルコが死んでからあいつはよく崖の上から遠くの景色を眺めて。ありがとう。はあ、なあ、うまくいくことを祈って。Vichama. Alors, est-ce que c'est un random ou c'est pas un random? Ah, bah ça va, il est à côté. Je pensais qu'il serait loin, mais non. Il n'y a pas beaucoup de chemin à faire. Ouais, c'est juste un random. なんだと。じゃあ八神の国にと。いや、八神の国じゃそういった類の奇跡だ。大丈夫か。なんでもない。分かった。手をまずカチーナの古名を探すために協力する。その後友人。ああ、だが構わない。その条件を受け入れよう。うん、カチーナちゃんの古名を探すのを手伝。ああ、スピリットストーンを見せて。
なるほど。大体わかった。アビスの教文の原理と少し似てる。一旦つながれば、餌の匂いを追いかける魚のようにアビスが湧き出てくるだろう。おー、すごく詳しいとまでは言えないが、大体の使い方ぐらいならわかる。俺はこれから郊外に行って、スピリットストーンの設置と調整を行う。何が必要なの？まずは、鍵縄だ。集落の商人のところで簡単…網？コメを捕獲するために使うってこと？でも…ヤガミの国でも、現実の世界の網に対応する概念を見つけることができる。わかりやすく言えば、網の概念でコメの概念をすくい上げるんだ。なるほど。黒曜石を一つ、いや、二つ用意してくれ。本来なら小玉の子のところで買う必要があるが、ちょうどそこの行商人がこちらに来てると聞いた。お、わかった。では、しばらく別行動だ。あそこに空き地があるだろう。も、そうだ。俺がスピリットストーンを独り占めしないよう、見張りをつけなくてもいいのか。シャスカはと必要ない。確かに初対面ではあるが。ありがとう。スピリットストーンの設置と調整には時間がかかるから。あ、変わったやつだな。なんか疲れてるように見えたけど、スピリットストーンの話、うん、私もちょっと気になった。カチーナちゃん、ah, on va récolter des objets. Moi, j'adore récolter des objets. Non. Mais du coup, vu que je suis jamais venu là et que je suis là maintenant, peut-être ça me permettra de débloquer des choses, non? Alors, bonjour. Paf. Alors, est-ce que ici j'ai débloqué? Bon, je pense pas. Ah, je sais pas du tout comment on débloque ça. Alors je dois aller en dessous. En dessous? Ah, oh putain. Bonsoir. Bonsoir Amota. Que 30 000 morale stock, ça va. C'est pas beaucoup. Moi j'ai beaucoup d'argent. Ça, c'est des morceaux d'obsidienne qu'on ne retrouve que dans Minecraft. さ、持ってきな。3000もら。えべ。マルコがいなくなって、あいつはどうしてる？マルコがいなくなってか。あいつのことよく知ってるってわけじゃない。ある日酒を飲んでたら偶然耳にした戦闘が得意なマルコは数人の大男を片手で倒せるほどの手だれで、5年前またもや帰化聖夜の巡礼を勝ち抜いた2人。しかし出発の前夜、カガリギの民がアビスの小規模な襲撃にあったんだ。それでどうな、同じチームのメンバーが訪ねてきて話し合った結果、ビチャマ自身も足を引きずりながら前線に出たところでチームの荷物になるだけだと考えたそうだ。だがその時に限ってアビスの魔物の数が予想をはるかに上回っていてな。ビチャマは全て自分のせいだと自らを追い、そうだな、人が後悔する理由は過去には戻れないから前を向くべきだと彼に言ったんだが、わしらはアビスのせいで多くの苦しみを強いられてきた。話はこの辺にしておこう。Incroyable. Ah, s'ils nous mettent ce bonhomme là, c'est pas un hasard, j'imagine. Mais bon. Je pense que le plus efficace, c'est de se téléporter dans les hauteurs et après d'aller à pied voir le truc. Aïe, aïe, aïe. Bon. Oh non. Non, il faut aller en hauteur.
Est-ce que je vais pouvoir y aller? Non, déjà ici, je sais même plus c'est quoi la région, mais je crois que c'est Sumeru. Vas-y, je vais reprendre la feuille. La feuille d'érable qui permet de voler un petit peu plus rapide, hein. Enfin, de planer. Non, ça serait bien s'il y avait un objet qui faisait la escalade. Mais rapidement. La escalade, la fameuse. Non mais c'est vrai que ça serait bien quand même. Bonjour, monsieur dont j'ai déjà oublié le nom. Spirit Stone wa chousei zumi da. Yakusoku toori, mazu Kachina no komei wo mitsukeru no tetsuda. Ah, nanda. Ah, Maruko ga shinda ato, senjou wo mite kitan da. Aitsu ga maketa no wa, moshi ano toki ore ga itara, mae motte kiken wo ano hi kara, ore wa zutto jibun wo semete kita. Soshite omae tachi kara Kachina no koto wo... Demo, mou nannen mo mae no asoko ni iru inochi wa... いくら小さな可能性でも試してみたい。あいつと約束したんだ。話はここまでにしよう。急がないといけないんだろう。概念としてのコメを捜索してる。それから戦闘の準備もしておけ。さっきも言った通り。あの金色のやつが。コレクテレフラグモン。Oh là là, il faut collecter les fragments. Ah oui, il y a un truc qui se remplit petit à petit. Bon, j'imagine qu'à un moment on aura des combats quand même. C'est pas juste on récolte des choses. Ouais, a priori. Ouais, quand même. Et ils tankent bien eux hein, quand même hein. Ils font pas mal, mais ils tankent bien. Alors... Voilà, ça en fait beaucoup. Paf, paf, paf. Le loup... Ah putain, j'ai pas eu le temps. Ah, c'était le dernier? Bon, ça va, il n'y a pas eu beaucoup de combats. C'est une plume. この命は5年前に亡くなるはずだったの。頼む。もう少し時間をくれ。ほんの少しでいいんだ。ありがとう。あ、oui, vu qu'on peut aspirer le pouvoir de l'abîme. Ouais, j'allais dire, est-ce que je peux rester appuyé, mais bon, on va pas tenter. Bon, j'imagine on est obligé de gagner ça. C'est une archère, elle. C'est une anémo, du coup. Vu ce qu'elle a fait. J'imagine. ビジャマ、ビジャマ。結局マルコのコメイは見つからなかった。コメイが消えればそいつは永遠に帰ってこられない。やっぱ手遅れだったか。
あいつらが出発したビチャマ。彼はここ数年さまざまな慰めの言葉を耳に。おお、ビチャマの手の手、これはおい、マルコ。剣を振る力は残ってないが。喋れたでしょう。本当にここで死ぬのか。その点、俺はマシだ。ピサック。だね。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいない。ビジャマ。君は来なくてよかった。悲しむ必要はない。ここまでしっかり生きてくれ。え？今見たのって。今回の釣りは収穫が皆無だったわけではなかった。ああ、またあいつの姿を見れて。だが。喜びの後に押し寄せてくるのは苦しみ。マルコはいつもそうだった。何の未練もないように振る舞ってたが、あいつと共に戦えなかったことを俺はここ数年ずっと。リチャマ、俺は大丈夫だ。族長のワイナは最初、お、実は俺も迷ったんだ。コメを探すことだが、一方でお前たちの気持ちは痛いほど理解できた。罪悪感が心の中で膨らんでいけば、戦士にとって何よりも貴重な資質が奪われちまう。もし過去に戻れるなら、俺は絶対に前線に行く。怪我をしていても俺にできることはあったはずだ。たとえ結末を変えられなくても。今になってようやく分かったよ。だがお前たちはまだその選択の岐路に立ってる。うん、ありがとう。私はあの子を必ず見つける。ならよかった。ひとたびアビスが体内に入れば、その一部が臓器と同化してしまう。幸い旅人のおかげでアビスの影響を抑えられてる。あといくつか処置を試して。だいぶ良くなった。ただの経験談だ。とりあえずカチーナちゃんの孤名を手に入れたから一歩前進だね。スピリットストーンを破壊するしかなかったことも。うんうんうんうん。Voilà, design particulier de PNJ. Mais c'est bien au moins dans Atlan, je trouve les PNJ ils ont, bah comme la fontaine finalement. Les PNJ ils ont des designs vraiment originaux par rapport à d'autres.Regarde, juste elle, elle est. Même lui, hein, et elle, ils sont beaucoup plus poussés, quoi. Kuik, nan de omae ga koko ni iru? Shira o kiru tsumori? Minasan, gomennasai. Ah, c'est sa petite sœur, j'imagine. Mattak. Shibaraku shitsurei suru. Ano Kuik te. Ma.話せば長くなるんだが、チャスカの妹なんだ。部外者の私が言うのは少しはばかられるが、彼女は幼い頃ある珍しい病気に患ったことを理由に捨てられたそうだ。その意欲を糧に彼女は奇跡的に生き残ったが、同時に彼女の中に闘争、なんか戦ってる場面。それからクイクの親に引き取られて人間社会に戻ったんだが。懐かしいな。あ、けど今はその衝動をちゃんと抑えられてるみたい。でもクイクとはまだ喧嘩するんだね。はあ、それに関しては私にも責任がある。もなるほど。だから八神の国に。私はもちろん君たちの冒険を応援しているよ。若い時には冒険も大でもクイクの気持ちもわかる。大切なかっここなら誰もいないわ。何も言うことはない。たとえ認められなくても
そういう開き直った態度を取られるのが余計嫌なのよ。何も言わず。八神の国も国なんだから海外だろ。またまた。まず一つ、約束したよね。危険レベルを4段階に分けたでしょ。不可避な場合を除いて、私からすれば八神の国は危険レベル4。正々堂々と競技を勝ち抜いたわけだし。2つ目、ワイナおじさんを買収したでしょ。お姉ちゃんを止めてくれるって約束。ワイナを問いただす気か。だが彼では私の考えを変えられないし。ほら、ボロを出したわ。やっぱりお姉ちゃんの独断だったんでしょ。今回の件に関してはクイクが私の立場だったとしても行くは。私は私、お姉ちゃんはお姉ちゃん。こっちゃにしないで。私はこう。ああ、わか。何よその言い方。しっかり反省。ストップ。今回はガチなやつか、それともちょっとした口喧嘩の範疇。お、ね、いっちゃ。なら私もはっきり言っておこう。カチーナがこんな目にあったのには。でも、もしお姉ちゃんが自分の衝動を抑えられなかったら。その話は別だ。モラルと責任の大切さについてはお前が教えて。自分自身の置かれた状況を正し、どちらかを諦めないといけない時だってある。もうやめにしよう。何よ、脅してるわけ。クイク、どうしても行くの。私、妹なら私たちの凱旋を待っていてくれ。はあ、しょうがないわね。まったく頭が痛い。何か言いたいことでも。君たち二人は血こそつながっていないが。そうか。前にクイクにも同じことを言ったら、彼女もそうかなとさ。部外者である私が言うのもなんだが、時間がある時には妹と過ごしてやりなさい。気にするな。さて、スピリットストーンを使い終わったのなら儀式の道具だから私のところで保管しと。実はその借りたのは1個だったが2個返そう。ん？そうだったのか。まあ、しかし問題はシトラリの方だ。特に彼女のものを壊してしまったとなると、八神の国に着いたらくれぐれも気をつけてくれ。 Bon, ça va, le mec il a une réaction plutôt sympatoche. Ramener l'antique nom de Kachina à Mavic. D'accord. Ah. Bureau de délibération. Un nouveau TP. Bah tiens, je vais en profiter pour aller choper le TP qui est à droite. Ah. Mince alors. Alors. Stade du Sanctif. Attends, est-ce que je peux voir où se trouve ce TP? Non, je sais pas. Ouah, c'est le bordel ici, là. Et là, il y a quoi par là? C'est le stade. Oh là là, mais j'aime pas les labyrinthes! Ah, TP. TP, où ça? Le TP, il est où le TP? Ah! Paf. Putain, mais pourquoi ils l'ont foutu là, le TP? C'est pas pratique. Bon alors, j'imagine qu'en faisant le tour, ça devrait être bon. Putain! Par là peut-être. Oh là 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 là, mais c'est hyper pratique, hein, votre truc. Bon, on va retourner là, c'est pas grave. On va prendre le chemin qui nous est conseillé. Hop. Ah. Ouais, vraiment. Et c'est pas pratique leur truc, hein. Ah, ça y est, c'est ici. Ah, bonjour.
Hop là. Bonjour, ma déesse du feu. Je vous apporte une plume de cailloux. Elle provient tout droit de Docteur Pierre. Oh, elle a bien sacrifié son pouvoir. だからこれは我々だけの秘密だ。君たちを安心させてあげたいのは山々だが、様々な勢力に追われている今、面倒事は私に任せ。君たちはやるべきことに専念すればいい。エンジン様を支えて、私も力を貸すぞ。謙遜しすぎだ、イアンさん。 よく気づいたな。実際に見るのは初めてです。すべての部族のものが揃っていますね。趣味のようなものだ。なたでは誰もが英雄の物語を聞きながら、物は記録を残すのに優れた媒体。私はこれから儀式の準備をしなければならない。もし興味をそそられる品があれば。 Ok. Oula. Ah putain, et on est forcément avec notre perso. Observer l'équipement de pêche, ouais, vas-y si tu veux. Ah, son tsurigu-ishiki wa Matabaru toyu densetsu no ryōshi kara azukatta mono da. Kare to wa sakaba de shiriatte na. Kyōdai na sakana wo ou tame ni, tōji, watashi wa sono me ni senei to katsubō wo mita. Sore de, soitsu no keikaku wa seikaku. Futatabi atta toki. 彼はひどい怪我を負っていた。その魚が獲物を仕留めはしたものの、重傷を負ってしまい、マタバルに聞かれたことがある。演じ勝ったとオイラは私もだ。彼のその経験にこそ、その後、彼は釣り具一式を譲ってくれた。ってことは、お前も釣り具機会があれば腕。 Ah, et du coup, il n'y avait qu'un objet avec le... Ah si, non, je peux regarder d'autres objets. Bon, en vrai, de vrai, je m'en fous un petit peu. Hein. Allez, avançons. Funjin wa shibaraku oite oku hitsuyō ga aru. Sate, hitotori mita kansou wa dou da? Oh! Dono kinenhin ni mo mono... Omamori wo miru to Atea no kotoba wo omoi dasu shi. Ah, sou da. Soshite korera kinenhin no yakuwari wa... Wareware ni... Jikon no sugoto? 我々は時間を一本の線とし、それに沿って進むことしかできないと直感的に捉えている。だが、もう一つ別の解釈が存在する。私が思うに、こちらの方がより真実に近い。言い方を変えよう。君たちが旅の終点にたどり着いた時、そう。終点にたどり着いても、旅で経験したことは消えない。 そのうちの一つでもかければ、君たちは別の選択を取り、一方、まだ訪れていない未来にも同じことが言える。無論、一部の優れたものは未来を予知できる。彼らはそれを運命と…そう言われると、確かに理解しやすいな。人間は、現在を感じることにしか長けておらず、過去をすぐ忘れ、あ、そして、非化成野の巡礼と、 余順者の別の時空の名たじんが団結することで、アビスのような難敵にも立ち向かえるのだ。初代エンジンはどれほどの先見の明を持ち、このようなルールを作り上げたのか。あ、初代エンジンもかつて人間だった。大きな力こそ持ち合わせていなかった。このルールがあったからこそ、
ナタの人々は誰もが神になりうるのだ。非化聖夜の巡礼で選ばれた最強の者が神倉につく栄誉を授かった瞬間、また同時にナタに関する様々な知識や記憶を得るのだ。なるほどな。神倉とルールの力か。あれ、これって家族の絵か？ん？ああ、私の父と母、そして妹と私たち二人で飼っていた古竜だ。父の革鎧から一部を切り取りキャンバスにし、腕のいい画家に描いてもらったものだよ。可愛い妹さんだな。神になる前は見た感じどこにでもいそうな人って感じがす。今更聞いたところで手遅れだぞ。ごめん、ちょい口が滑冗談だ。このくらいの他人にどう評されようと、これは私の過去だ。人が神になろうと家族とのつながりを断つことはない。ただまあ、父は肉を煮込んだ料理が得意でな、妹はそれをよそった食器を手によく私のところに来ていた。だがある日ドアを閉め忘れ、古竜たちが入ってきてしまう。すると妹は大泣き、そのいたずらっ子どもは肉を床に伏せたままシュンとする姿を目にしたら、どうにも叱責できなくてな。へえ。家族とはそういうものだろ。こういった経験をしてきたからこそ、ナタを守るとは一体何を守ることなのかを。それからどうなったんだ？この絵って確か建築家と芸術家になったはずだ。カズ、その話はまたの機会としよう。粉塵の準備が整った。コメを置いたらすぐに始めよう。Là, c'est l'antique nom de Katchina. D'accord. Attends. Ah oui, je l'ai déjà sur moi, je me disais. Tenchi ni tsuzuru seimei no kodama. Taenu monogatari no denshou yo. Inishie no na. Kono koe ni unmei no mono o kotae sase yo. また喧嘩か。カチーナちゃん大丈夫？え、見間違えちゃないよね？落ち着いてカチーナちゃん、本物だよ。モハラリちゃん、旅人さん、パイロンちゃん、それにみんな、あのね、ヤガミの国をずっと調べてて分かったの。大霊なら私を元の場所に戻してくれると思った。大霊が残されたわずかな力で私を守ってくれたの。でもここ本当にめちゃくちゃで、しょっちゅう怖い声を聞いたり。カチーナ、その声を信じてはいけない。自分を守ることだけに専念しろ。私たちもすぐに向かう。大丈夫だよ、みんなと話せて。私弱いし存在感薄いし、忘れられて見捨てられても仕方ないのに。でも帰る方法は自分で探すよ。カチーナちゃんはいつもそう、強がらなくていいんだよ。アビスに何を吹き込まれたか知らないけど、これだけははっきり言える。予順者の戦争を勝ち抜いた君は間違いなくナタの英雄なの。本当は、でもやっぱりみんなを危険な目に遭わせたくない。いつも私たちのことを信じてくれてるでしょ。我々は一人で戦ったりしない。そうそう、ここまで来て諦める。リカと気をつけて。通信はここまでか。さて、次がこたびの救助において最も危険な段階だ。ヤガミの国に通ずる入り口はアビスが侵入してきた際に残したものだ。はい、心の準備はもうできています。ああ、成功を祈っている。それとクイクに、その顔を見るに心が痛いです。エンジ様、私も同行させてください。みんな私とカチーナちゃんのために力を貸して。私は今力を失っている。直接的な支援はできないが、イアンサ、
万が一自分の力ではどうにもならない状況に遭遇したときは。そんなことにはなりません。あ、それを願おう。Et tu dis que tu as perdu ton pouvoir, mais est-ce que tu as encore... elle n'a pas d'œil divin. Attends, elle en a premier pas degré. Bon, après, c'est sûr qu'elle sera jouable, c'est une archon, mais bon. Bref. Enfin, j'imagine. Peut-être pas. Imagine, ce serait rigolo quand même. Ça serait quand même vachement dommage. Mais bon. Finalement. Pourquoi pas. Alors, entrez dans les ruines souterraines. Elles sont là. Téléportation. Oh non, un Bruto. Pas le Bruto. Et hop. Vestiges de la source secrète. Ah, ma mère qui m'appelle. Let's go. Alors, héros. Eh ben, là, on est sur une espèce de donjon, j'ai l'impression. Mais finalement, ce serait plus qu'un donjon entre nous, non? Eh ben, c'est type A, comme le disent les jeunes. Explorer les ruines. Mais attends, là, on est dans des ruines, on est vraiment dans leur truc nocturne, là.遥か昔、ナタは竜に支配され、高度な文明を生み出していたからだろう。人間が自分たちの秩序を築き上げたのは。つまり、ここは竜の遺跡ってことか？それってつまり、元祖の竜王みたいな存在ってこと？うん。でもあまりに昔のことだから、参考にな。元は誰も足を踏み入れない遺跡だったけど、最近はアビスの騒動。ということは、歩きにくい道ってことだね。歩きにくいどころか、これから遭遇する無数の困難の始まりだろう。なんでみんなここにいる奴らは全員冒険の幕開けに興奮するタイプだからな。その通りだ。ずっとうずうずしていた。じゃあ行こっか。Continue d'explorer。On est obligé de faire ça. Oh, oh un coffre. Entraîneuse sportive, la Yansan. Ouais. あいつらどこかで見たことあるような。
これまで何度も戦ってきた相手だ。Moi, je suis même pas obligé de les combattre, je suis en train de me dire. Allez, au revoir. Alors, est-ce que je peux juste me barrer? Ah non, j'ai pas l'impression. Bon bah allons-y hein. Faut tout casser. Ouais, obligé. Ah, et après on va dans l'eau. Ah, activé. On va pas dans l'eau, mais bref, quasiment. Ouais, c'est rigolo le fait de pouvoir se transformer en mob, mais bon, je trouve ça pas non plus méga intéressant. On va dire que c'est la grosse nouveauté de la région. Là où la grosse nouveauté de Fontaine, c'était évidemment l'exploration aquatique. Mais ils pourront jamais faire mieux que l'explo aquatique, je pense. Hein. À la limite, le seul moyen de faire mieux, et encore c'est pas mieux, mais c'est juste un truc qui sera trop bien si c'est le cas, c'est d'avoir une espèce de fly permanent, enfin, je sais pas trop comment dire, mais bon, ça serait très fort, mais ça serait cool, quoi. Moi, un truc que j'aimerais bien, c'est comme des Elytra, quoi. Ça serait banger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on passe par le côté là. Waouh, trop bien. Alors que j'aurais juste pu faire un tour en fly. Hein. Oh, oh, oh. Un gros gros. Moi j'adore, on affronte des Brutocolinus en mode c'est des giga menaces alors que vraiment depuis le début du jeu on en affronte. C'est tout sauf dangereux. En plus c'est juste des Brutos de base quoi. Alors. Bon, lui, il est un petit peu plus gros que les autres, quand même. Ouais, encore. Hein. Paf. Oh, Koffel. Ça me donne des... Ouais, ça me donne des Sopiro, c'est bien ça. On prend les Sopiro. Comment j'attaque? Paf. Ouais, vas-y. Je vais y aller comme ça. Bah ça va, si c'est ça le fief nocturne, c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt chill. Eh, finalement. Eh, c'est juste que Kachina, elle est rigolote à jouer, mais elle est pas très très forte, hein. Ah, est-ce que c'est ça le fameux fief nocturne? Et là on re-rentre dans un donjon. La donjonception.物語で名前を聞いたと、アビスの力があまりに濃いせいで、ここでは現実世界の常識など通用しない。空より一番心配なのは戻る方。空にある裂け目と地面に降り注ぐ光が見える。地面の光と空の裂け目。常識が通用しないとはこういうことだ。あれだけ高いところから落ちても 元の世界に戻りたい場合、再びあの入り口まで行く。それだけでいいのか？お、分かってるぞ。じゃあ、カチーナちゃんを見つけたら、ここに連れてくればいいってこと。あ、この光は現実世界か。この場所見たところ地形が複雑だし、視界も悪そうだぞ。しかもあちこちに浮かんであの。あれはアビスの力だ。気をつけた方がいい。 Ah. Ah, ils ont réutilisé leur modèle de comment? Ah, je sais plus. Comment ils s'appellent comment elle s'appelle la région de putain, d'Inazuma Basse là?
Là, les. Pas les. Putain, l'espèce d'underground de Inazuma, j'ai oublié le nom. Les modèles bleus, là, ils me font penser à ça. いや、謝るべきはこちらだ。あの時スピだから無理にでも止める必要があったんだ。ビチャマや近くのカガリ。あ、分かってる。あいつを守ってくれてありがとう。あの不思議な石の力で俺の魂は。全く。勝って凱旋するにせよ。負けて犠牲に。あ、もうかなわぬ望みだがな。児玉のこの娘を探してるんだろう。 Putain, comment ça s'appelle? Ça me perturbe. Putain, Enkanomiya. Aïe! What the fuck? Putain, ça fait hyper mal. J'étais en mode, c'est quoi qui me fonce dessus? Ouais, en plus c'est pas des mobs, c'est juste des trucs qui te foncent dessus. Ah, ils sont obligés de te toucher en plus, hein, c'est bâtard. Tu peux pas t'en protéger. Hein. Ah, tu peux te mettre des shields et du soin, quoi. Ouais, on peut pas perdre du temps, mais moi je dois les affronter quand même. Mais ça sert à quoi là? On a... Là, ce qu'on vient de faire, ça nous a permis d'avancer de 3 mètres. Ah non, on est vraiment passé par le côté, ok. Ouais, les espèces de trucs comme ça, on va appeler ça de l'obsidienne violette. Ça rappelle beaucoup ce qu'on a vu dans le gouffre. Au niveau des couleurs, je te dirais. Ah, et on est tout seul maintenant. Ah. Continue à suivre, Malco. Voyage, mensonge. Ah, bonjour. Ça va si c'est que des loups comme ça. Oh ouais, on va se battre avec Kachina, trop bien. Vas-y. Paf, 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 le loup. Putain, mais elle peut sauter à l'infini ou... Ah non, c'est avec la barre en dessous là. Oh putain, j'en ai perdu de la vie moi. Ah oui, mais attends, mais j'en perds extrêmement vite de la vie. Putain.
スの魔物がどこからともなく湧いてくるから。でも大霊が私の気配を隠してくれたの。カチーナちゃん、これからどうする？今すぐ帰るか？そのお願いがあるの。一緒に大霊反魂の歌に起きてる問題はどう言ったらいいかわかん。今の状況を見るに、エンジン様の推測は裏付けられたと考え。八神の国には各部族の大霊を招集。そのトーテムポールが大霊の本体だとすれば、ここのトーテムポールは分身が数多く存在するからこそ、大霊の意識は八神の国全体を覆うことができる。だが分身が広く汚染されれば、魂は八神の国けど、汚染された分身は一つだけじゃないだろう。ここでアビスの力を浄化したところで。じゃあ大霊を見捨てるの？賛成だ。それにこの木をうまく利用すれば、カチーナを追っていたアビスの魔物、そいつを一掃することで八神の国の悪化も少し。どうしたのカチーナちゃん？大丈夫。ちょっとやっぱり帰るか？カチーナはここに。大丈夫。こんなデタラメ無視するから、もう少し行ったところにあるんだ。聞いてカチーナちゃん、もちろん私たちは自分のために何かを証明する必要なんてないの。さーて、さあ、ああせっかく来たんだ。うん、こっちだよ。俺はここに残ってアビスの魔物を足止めしよう。え、そんなことしたら。大丈夫さ、アビスの魔物に力を。俺にはもうあまり時間が残されてない。さあ行け。目的を果たしてここを離れるんだ。本当にありがとな、君は。我々は一人で戦ったりしない。Réunion. Oh, trop bien, j'ai eu un succès. Ah oui, putain, la vie que j'ai perdue. Vas-y, je me full soigne. Ah ah. Ah non, mais là, ils m'ont fait mal. Je sais pas pourquoi j'ai perdu autant de vie. Les loulous, je crois, ils tapent pas à travers pourtant, normalement, les shields. Ils t'empêchent de te soigner, c'est tout. Ah. Ça sent le combat ici, c'est un peu trop plat. C'est un peu trop plat, je le sens. Suspect. かなり汚染が進んでるみたい。私たちすぐ始めよう。みんな準備はいい？気をつけろ、やつが来た。Mais personne ne s'y attendait. なんつうスピードだ。愚かな勇気には一辺の価値もない。あのような儚い魂でわしかとすりつぶしておいてやった。お前、いずれ散る定めにあった魂を案ずるより、我に似た存在を倒したことがあるのかもしれぬが、いいな。アビスの力は人を酩酊させる。そこの小娘ほど甘い人間はいないだろうと思っていた。短命な人間は実に哀れなものだ。コメ、プライド、友情。そんエンジンが体裁の良い概念をこれほど作り出したのも、でなければなぜエンジンは最強の存在である一方、何時はこれほどまで。私カチーナちゃん、私の手を握って。感じた？ありがとう。私だって一人じゃないから。君の言い分は正しいのかもね。確かに。でも君は大きな勘違いをしてる。何を言ってる？友情があるからこそ、私たちは力を生み出すのは友情という概念を信じ。よく言ったぞモアラニー。この程度の敵、私たち二人で十分。おの、行くよ。もうさわ、きょうおなふんたんピロー、えきょうおな、にまだみどろ、めぼん。な
方中どこを探しても私たち二人のタッグにかなうやつはいないって。Oh putain ça, mais j'arrive pas à jouer mieux la nuit. J'ai déjà oublié son ulti, c'est quoi? Ah oui, c'est qu'il nous invoque le truc. Bon allez. Ah putain, je lui ai fait mal là. Mince. Macron, explosion! Ah mais c'est pratique qu'elle soit hydro elle. Regarde. Allez, on va finir avec le papa requin. Putain. Ah j'ai pas ce réflexe quand j'utilise un pouvoir de E d'appui sur le clic gauche pour pouvoir activer le pouvoir. Bon heureusement qu'on avait Mulani. Mais là je me fais avoir à chaque fois où je rappuie sur eux pour activer le requin. Mais non c'est pour le retirer. これはおそらく物質空間への投影だろう。まさか。友を救うため万難を排し、アビスの汚染を最も受けてる場所に飛び込むとは。だが、かっこいいじゃねえか。さっきあんたが言った通りだ。一人ぼっち、長い時間をかけ、満身エンジン様の計画じゃ。最も強大な敵を完膚なきまでに打ちのめせる。君は？俺はトゥパック。500年前にアビスがナタに侵入した時に戦ってた。その名前聞いたことある。俺の意識がコメの中から蘇ったっちゅうことは、あんたはもう全ての部族を団結させ、血が尽きる前に水石で歯を飛び、小さき明かりさせれば炎はナタのすべての眼差しとつながる。クオンの暗闇さえも我々を分かつことはできない。彼らは500年前から今のナダに訪れる危機を予知していたの。ここでゆっくり話すような内容じゃない。帰ってからじっくり説明。一部はな。でもまさか。とりあえず今はここの大霊さんを救うことに集中しよう。Mais attends, tout le monde essaie d'aspirer la corrosion. Je croyais qu'il n'y avait que nous qui puissions le faire. Dis donc. Yes. C'est bon, c'est bon. Eh, j'écoute. Kachina. Yakata. Mais, excusez-moi. Vraiment. Pourquoi Kome a été en train de se faire en sorte de se faire en sorte de se faire en sorte. Eh. Mais, Kachina.あなたたちは皆私の最愛の子。コメは私があなたのためにつけた一つの名に過ぎないわ。自分の人生を歩めばいい。より輝かしい継承者になる。コメに新たな歴史を綴っているのはあなた。さあお行きなさい。
ここは今も刻一刻と悪化している。大切な人々や部族のために。ありがとうございます。こうして言葉を交わすのは初めて。今の言葉はカチーナちゃんにとって。うわっ、なんだ、地震か。もう時間がない。アビスの力が迫ってる。先霊だ、先霊が道を開いてくれたぞ。Une random fée qui arrive. Vite, elle va nous donner un coffre. Quittez le fief nocturne. Hop là. Ah. Je croyais qu'il fallait que j'attende. Oh putain. Ah. Run for your life. Eh, on est dans Sonic Colors ou quoi? Ah putain, mais attends, ça nous rattrape si on court pas. Ah. Et ouais. Eh, who did the malin, fall in the ravin, comme on le dit chez vous les jeunes. Ah. Ah oui, mais moi j'ai pas de l'endurance à l'infini. Pourquoi vous me donnez mon perso? Donnez-moi Yelan. Je veux courir vite. Putain, c'est juste derrière moi. Vite, par le milieu. D'accord. Ah. Je suis vivant. Et là, ils vont nous perdre, nous. Bon, cette dada est électro, j'ai bien compris. Personne n'arrive à sortir. Et finalement, tout le monde arrive à sortir. Grâce à la dada Marcon. Évidemment. Elle est vraiment stylée, ma Wicca. Ah oui, du coup, elle a juste pété... elle a juste pété le toit du truc. Est-ce que ça va nous débloquer une nouvelle zone, on va dire... Anatlan, là. Ce sera explorable, celle-ci, peut-être. エンジン様ならまだ談義室にいるはずだ。さ、精神だけであそこまでできるの？力には必ず代償が伴うけどな。気分が悪いの？カチーナちゃん、急いで聖火競技場に行こう。ああ、お前たちは全員。オイラはなんともないけど、お前はどうだ？それもそっか。お前はアビスの近くさ、行くぞ。治療を受けるの。そういえば大霊が言ってたエンジンの件、それはエンジン様に説明していただく。あたしたちの行動のすべてがナタの運命を左右する。Bon, j'imagine que là on aura un peu le blabla final et qu'on passera à l'acte 3 après. Je pense que là on a fait, on va dire, les événements les plus importants. Ou peut-être que, comme la dernière fois, on va finir dans une tribu. Parce que là, on est allé que dans... Ah si, attends, non, on a déjà fait les trois tribus de cette version. Donc non, je pense pas qu'on en aura d'autres. Mais on aura peut-être un blabla final plus... en plus de celui-ci. アビスの力の残留を処理しよう。無事に帰ってきてくれて本当に良かったわ。さ、皆さん座ってちょうだい。
これでもう大丈夫なはずよ。ただこちらの旅人さんみたいなのは私も聞いたことがない。こいつって昔からちょっと特別なんだ。今の状況ではその能力は大いに役立つ。じゃあ私はこれで失礼します。ありがとうクイ君。いいわよ、考え方に今は時間に任せましょう。あ、ふん、話題は多岐にわたるがどれから始めるべきか率直に言おう。ナタの滅びが目前に迫っている。余命は1年にも満たない。はあ、え、嘘ですよね。これは事実だ。このことを知るのは救国の計画に参加する一部の者だけとなっている。先ほど言った余命、つまり滅びへのカウントダウンが始まったのは最近ではない。それならモアラ、ああ、当時全ての国がアビスの侵攻を受けていた。ナタは元来他国が持つような安定した堅固な地脈を有していない。故に状況は最も、あれは長くあまりに凄惨な戦いだった。命と文明を犠牲にし、我々はその後さらに数百年もの時間をかけてアビス、しかしその勝利は表面上のものに過ぎない。アビス、八神の国の問題はさらに一筋縄ではいかない。当時の計算で八神の国が完全にアビス化するまで最大で500年かかると導き出された。しかしその頃にはすでに多くのナタ人が家と家族を失い、文明は消えかけ、信仰は崩れ去り、大礼、このままではナタを再び一つにしない限り、あ、そこで神と各部族の英雄たちは長い議論の末、ナタを救うための500年にわたる大規模な計画。そうだったんです。カチーナちゃんと合流できた後、私は自分のものではない記憶を、その中にまさに今おっしゃった計画がありました。でも一つだけ理解のできないことがあります。なんだって？エンジンって人間だろ？そんな長い時間。ああ、その疑問は正しい。人間にとって最も超えがたい。しかし魔人であれば一部の神通力や呪いによって、だがナタにそのような存在がいないのも周知の事実だ。生命とはいつか燃え尽きる炎のようなものだ。過去に一度死を迎えたがゆえに再び蘇ることができる。つまり簡単に言うと二度目の命と。ああ、当時各部族が団結していたからこそ、アビ、500年後のナタがアビスと戦える力を持つためには次のエンジンが滅びた各部族を復興させる必要があった。そして部族が復興すれば人々は再び完全に復興した証として大礼は一人の英雄を選ぶ。まさに500年前、偉大なる英雄たちが私のもとに集まった時と同じようにな。つまり、あた、ああ、君が持つ古名は500年前に龍戦の州を代表していた戦士と同じものだ。八神の国での冒険を経たことで君はきっとこの古名の意味を完全に理解したことだろう。ってことはお前は最初から大霊が誰を選ぶのか知ってたのか？そうだ、当初の計画であれば私が蘇った頃には全ての部族が復興を遂げているはずだった。6人の英雄は確かに500年前の6つの古名を手にしていたが、計画に関する情報を、その原因は同じく八神の国の汚染にある。反魂の歌でカチーナを連れ戻せなかったのも、ああ、これもアビスの策略の一つだ。知恵こそ持たないが、その計画を再び巡らすには私一人だけでは足りない。そう悟った時から、現在小玉の子のシロネ、カガリギの民のキーニチ、それから豊穣の国のイアンサが認められている。そしてこたびの件を経てムアラに、君も無事大礼に認められ。でももう1年もないんだろ？そうだ、だが仕方がないのだよ。切迫した状況であるにもかかわらず依然として行動に移せないのはこのためだ。エンジン様はそれをご存知だったのに。確かにそうかもしれないが、
逆効果になる可能性も否めない。カチーナの救出を例にしよう。君を突き動かしていたのは誰？つまり残りの二人が誰なのかもエンジン様は教えるつもりがないということですね。ああ、その者たちの契機はまだ訪れていない。大礼の目利きを信じるしかないな。私一人でこの危機を乗り越えようなどとは一度も思ったことはない。信じ、ナタを救えるのは神でも特定の誰かでもない。君は実に鋭いな。悟られないうちに話題を進めようと思った。あ、そうだ、ここにあったものは君たちが八神の国から無事帰還できるようか。何せあのような危険を犯すことを進めたのは私であり、ここにあるものは単なる記念品などではない。燃料？ああ、記念品に込められた物語は確かに大切なものだが、そういったものには持ち主が戦っていた時のか。だが塵も積もれば山となるというように、先ほどはそれらを燃やすことで拡築の炎を生み出し、ただ極めて乱暴なやり方なため見ての通り。でもあれってどれも大切、はあ、だからあんたたちをここまで連れてきたんだ。エンジン様、私のことは気にするな。それにもしそうなれば児玉の子に災いがすぐにでも降りかかっていた。英雄たちがここにあるものを私や他のエンジンに託した時、あれらのものが最終的にナタの英雄たちを救ったと知ればきっと皆喜ぶ。それでもやっぱりそう感じる必要。我々は何かを失ったわけではないのだ。それでも負い目を感じるのであれば、その胸の痛みをバネにナタのために戦う。君たちの物語はまた新たな伝説となり。でも助けてもらったわけだし、やっぱり何かお返しがしたいぞそういうことなら酒でも振る舞ってくれればいい。カチーナが無事に帰ってきたことを祝う宴を開くつもりだ。余巡者の戦争の凱旋を祝うとしよう。君たちをねぎらうと同時に疑っていた者たちを黙らせることもできる。ナタに危機が迫ってることを知ったのに楽しめるでしょうか。そう思うな。焦りは判断を鈍らせるだけだ。さあ行くといい。私もすぐ向かおう。小さい頃から温泉の近くに座って戦士たちの物語を聞くのが好きだった。湯の中を人が行ったり来たりして部族に関係なく、温泉は決して流泉の州だけのものじゃない。部族の子供たちがどんどん成長していく姿を見れて本当に嬉しい。青春や活力、情熱にあふれている。たとえその子たちが問題を起こしても、心の中の怒りは一瞬にして慈愛と寛容へと変わるわ。ムアラニが大きくなったらきっと立派な戦士になるでしょうね。いつか私の力が衰えて戦場に出られなくなったら、ここに戻ってきてあの子に。あんたもしっかりエンジンをやってね。だってそっちの方が語れる物語も増えるでしょ。空は暗く、部族は散り散りの中、遠い未来の勝利を約束されるとはな。あの狡猾な敵たちと幾度も刃を交えていなければ、とてもじゃないが我が怒りは静まることなく、我が力は
もう君のために振るわれない。それでも君は俺に会いに来た。きっとたった一言で俺を説得できると知っているからだろう。分かった。今の英雄が血と炎で道を切り開く。だから俺の分まで勝ち取れ。でなければ昔の借りを含めてまとめて返してもらうぞ。ナタのために。つまりお姉ちゃんは500年後の未来に行って円陣の責務を果たす必要があるってことだよね。じゃあ今のお姉ちゃんはどうなるの？それを聞いても答えられないでしょ。もう決まったことなら私たちは全力で支えてあげないと。安心してちょうだい。部族復興のために私たちも全ての力を捧げるわ。私たちはみんなナタの未来のために身を、うん、お母さんの言う通りだね。もうこんな時に限ってなんでお父さんはいないのかな。何を言えばいいかわからないからいっそ来ないことにしたのよ。きっと未来がどうなっても私たちがあなたを愛していることを忘れないでちょうだいね。エンジン様がそうおっしゃるのなら全身全霊をもって支援いたしましょう。Et je me disais, est-ce qu'ils vont montrer vraiment tous les persos? Ça va être hyper long. Et bonsoir Silver Crow, et bienvenue sur ce nouveau streaming. La vraie question, comment vas-tu? Voilà, bon, j'imagine que je suis à la fin de l'acte. Aïe. Aïe. 戦争は六大部族を鍛え上げ。Je prends des photos sur Genshin, c'est trop bien. Ah, mais pourquoi il fait ça ? このすべてを終わらせるのは果たして誰なのだろうか。Bah ça va nickel, écoute. われわれは記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち。運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。Rendez-vous à l'auberge pour participer au banquet. Pour les primo. Ah.Attends, ouais, faut que je décale un peu ma fenêtre Genshin. Voilà, parce que je voyais pas le chat en entier. Eh bah nickel. Pour les primos, ah bah je te comprends. Ah mais attends d'ailleurs. Oh putain, j'ai ça à faire. Eh, si tu m'avais pas parlé de primo, j'y aurais pas pensé. Bon, je pense que je vais faire un tour aux toilettes dès que la quête est finie. Et après, on fera le truc des souvenirs. Je l'avais totalement oublié.Là, j'imagine, je suis arrivé à la fin. Cinq minutes, ok, bah nickel.Je trouve que les choses se passent très rapidement.
Par rapport à... Bah, après, à Fontaine, il s'est pas passé tant de choses que ça dans les deux premiers actes. Et les actes étaient longs à cause des procès. Mais là, ouais, le... Bah, j'ai trouvé ça très rapide, pour le coup. Entrez dans l'auberge, d'accord. D'accord, allons-y. Oula. Ça, c'est de la danse. Waouh. Tellement les buts de Fontaine, mais j'ai bien aimé l'intrigue. Ouais, pour le coup, j'étais vraiment plus à fond dans l'histoire de Fontaine, mais bon, en même temps, on va dire que ça nous engageait beaucoup plus dans l'histoire. Le fait de faire ces fameux procès, et vu que ça me rappelait évidemment du Danganronpa, et que Danganronpa, j'aurais bien aimé les découvrir moi-même en stream. Wally Wally. J'imagine que dans l'acte 3, on découvrira Xylonen et probablement les deux autres. Les deux autres. Comment ? J'ai oublié. Les deux autres élus, les héros là. Que du coup, c'est Mulani, Kinich, Yansan, Xylonen. Et après, ouais, les deux autres, on les connaît pas encore. Ah, acte 3 et 4 à la prochaine mage. Là, il pourrait faire un acte par version à la limite, mais bon. Après, c'est l'acte 5 souvent qui est très long et qui a besoin d'un patch entier. Parlez à Mavuika, oui. Ah, J'avais entendu deux actes vu que 5.2 il n'y aura pas de quête Archon. Ah.太陽が数百万年後に燃え尽きてしまう。だから今からそれを救いに行こう。この責任を共に負うことを加えて、どの時代にも英雄は存在する。もちろん、この時代も例外ではない。当然、それは私にも当てはまる。だが、思い出した。お前の部屋。ああ、その通りだ。だからあの時、 妹過去の断片をつなぎ合わせることで、かろうじてあの子が建築家かがり木の民の復興では、あの子が多くの建造物を設計して建てたらしい。だが、それでも立派なことだ。
どうやら君たちは失うことに対して暗い感情を抱きやすいようだ。これは戦争であり、戦争に別れはつきものだ。アビスに飲まれた人々に比べ、私は神の名を背負っている。そしてこの肩には数えきれないほど多くの人の期待がの。そうだな。ああ、分かっている。だがそれがどうしたという？時間がどのように存在、未来で待ち受けているものが破滅であろうと。目の、そして人間は運命を知ることができないから、ここが正念場だ。我々には、いや正確には3人か。君のアビスへの耐性は実に印象深い。このうなずいてくれるのならば、君の旅を最大限支援すると約束しよう。コメって作れるものだ。ああ、厳しい条件はあるがな。それに作れなければ受け継がれる。Ouais, j'imagine ce, cette histoire de Nantic nous permettra d'obtenir notre Pyro, notre voyageur Pyro. 現在、反魂の歌は効力を持たないが、これが君たちに対するどんな代価を払おうと、必ずこの約束は守る。そうだぞ。もう放っておけない。そうか。よかった。ならば、この後すぐ職人のシロネに、ナタ人以外に米を作るのは前代未聞。Incroyable. Eh ben écoutez, sur ce... Ah. J'allais dire, je vais aux toilettes. Laissez-moi pisser. Ah bah, première fois qu'on le voit en mode personnage. Bon, d'après nos captes et les retours, Capitaine O ne serait pas un personnage jouable au final. Mais après, si ça se trouve, vu qu'on voit même pas son visage... Après, il me paraît grand quand même pour un personnage jouable. Mais peut-être, oui, il retirera son casque et son masque. Donc voilà. Attends, peu importe maintenant. Ah, le perso qui parle, c'est... Ah, mais si ça se trouve, t'as deux Capitano. Imagine. T'as Capitano enveloppe comme ça. Et t'as le vrai Capitano et c'est le personnage qui l'accompagne. Et c'est genre son ombre. Bon, ça sera la surprise. Allez, hop. Pipi.
Bon. Ouais, ça m'aura pris un petit peu moins de 2 heures. Eh bien, nickel. Bah, évidemment, là, on a des petites choses à récupérer. Déjà, là, on a ça, et surtout. Et surtout. Évidemment. Bon, mis à part ça. Ah. Ouais, bon, ça... Putain, waouh, ça en donne 30. Mais bon, hein, je l'ai déjà fini, ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a, Kinich. Notre chère et tante Kinich, que j'ai pu monter level 90. Et oui, c'est important. T'as vu les nouveautés de la prochaine mage? Pas du tout. Aptitude. Ah oui, c'est ça. Ça, faudra que j'en farme demain. Oh, GG, bah merci. Bon, après, ça a l'air. Bon, là, en plus, heureusement, c'est Arlecchino qui me faudra monter, donc ça ira. Après, ouais, faudrait que je farme ça, mais bon, je les ai déjà... Je les ai déjà farm. Donc, en soi, bah, maintenant, plus qu'à le jouer, quoi. Ah, mais attends, mais c'était cette arme-là que Kinich, il avait dans la... Dans la quête, là. Attends, elle ressemble à quoi, son arme? Ah bah. Attends, mais c'est exactement la même, mais genre, c'est la version 4 étoiles. D'accord. On pourra skip les étages 9 et 10. Ah si, ça oui, je sais. Ouais, mais le problème, c'est que moi, les 36 stars, je les fais très rarement. Le 9 stars, je le fais à chaque fois. Pardon. Le 9, 10, 11, je les fais à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je voulais dire le 9. Le 9e, j'aurais plus jamais à le faire, du coup, normalement. Par contre, le 10 et le 11, malheureusement, oui. Parce que le 36 stars, c'est trop rare que je le fasse. Et même là, pour cette version-là, je l'ai même pas fait le 12, parce que c'est... Il m'emmerde. L'étage 12, j'aime pas le faire. Vraiment. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoute, on va faire ça. Hein. Même si j'ai... Parlez à Catherine. Terminer cette quête pour débloquer les missions de Natlan. Hein. Ça peut être bien, ça. Putain, c'est vrai, je l'ai pas vu, la Catherine de... Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas les quêtes quotidiennes. C'est parce qu'il faut que je débloque Catherine. Je savais plus ce qu'il fallait faire, mais du coup, c'est Catherine. D'accord. Bonsoir. À propos des missions. Voilà. Et maintenant, j'ai les quêtes quotidiennes de Natlan. Nickel. Parfait. Bon, du coup... Cuivre. Ah, c'est à Fontaine. Oui, c'est à Fontaine, oui. C'est elle qui donne les primos, donc normal. Bon alors, bonjour Fontaine. Région dans laquelle je ne retournerai pas avant très longtemps. Ouais, finalement, c'est ça, hein, le fait de 100% une région. Qui retourne plus jamais. Enfin, sauf vraiment quand il y a besoin, mais c'est très très rare. À part pour des événements. Blablabla, blablabla, blablabla. Oui, blablabla. Oh, blablabla. Mais non. Que voudrais-tu acheter? Je voudrais avoir mes statistiques de l'année dernière, s'il vous plaît. Il y a 2 albums photos dedans. Mais non. Oh putain, non, c'est de ça dont tu me parlais. C'est ça le truc photo. Est-ce que c'est ça? Prenons des photos. Oh putain, la vanne. Bon, après, ça a l'air d'être assez court, j'imagine. Ah, je pensais que c'était le truc qui nous donnait nos stats. Notre voyage a commencé à Mondstadt, a été le premier cheval... Attends, Amber a été le premier chevalier de Favunus que nous avons rencontré. Elle nous a accompagnés depuis le bois des Murmures jusqu'à la cité de Mondstadt elle-même, guidée par les vents. Nous avons visité de nombreux endroits de l'ordre de Favunus à l'antre de Storm Terror. Oh. J'ai tant la flemme de le faire. Sumeru, Fontaine. Les photos. Ok, ouais, donc on n'a pas encore Natlan. Bon, prends un lancier et la voyageuse dans l'équipe, ça te fera gagner du temps au début.
Eh ben écoute, j'essaierai de m'en souvenir, mais je le ferai en off, ça. Ah, j'étais persuadé que c'était l'événement. Tu sais qu'on a chaque année qui te donne des stats et tout. J'étais persuadé que c'était ça. Eh ben, tant pis. Non, bah je le ferai en off. Ce n'est pas grave. Paf. Bon bah plus qu'à attendre. Alors, stack. Est-ce que c'est bon? Ah, Bleach. Ah oui, Bleach reprend ce soir, je crois. Je ne suis point sûr, mais je crois. Me semble-t-il. Bon, bah nickel. Il est en web event. Ouais, non, mais c'est ce qui me semblait. Ouais, c'est pas un event in-game. Mais je pensais que c'était ça. En fait, tu vois, avec la DA du truc, et pareil, souvenir de Teyvat, je pensais vraiment que c'était ça. C'est quoi cet objet? Album de souvenirs. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai eu des petits succès, tiens. Ah bah oui, forcément. 855. Eh, c'est pas mal, hein. Même sans tryharder les succès, j'en ai beaucoup, non? Ah, bah oui. Dylonen. J'ai vu un petit peu son gameplaying à elle. Elle a un délire musical. On verra, hein. Bon, ça se fait que j'ai autant de choses. Web event du 4e anniversaire. Easy. Je sais même pas si je l'ai fait. Ah, c'est avec la chatte là. Je sais plus comment il s'appelle. Kirara. Livraison spécifique. Livrer des colis d'anniversaire. Mais si ça se trouve, c'est ça, non? Attends, je retire le son. Voyageuse, voyageuse. Blablabla. Liste des missions. Nombre de colis. Livrer un colis. Liste des missions. C'est un autre, je crois. Ah non, ça c'est vraiment autre chose. Hein. Ça c'est juste un web event. Oh là là. Eh, ils se font bien chier à développer des web events. Hein. Monde stat. Ah oui, donc c'est exactement le même délire en fait, ça. Lui, c'est quelques primos plus une recette. À votre avis, qui est le destinataire? Toi. Imagine. Oh, on court. On s'accroche à la vie. On se saoule avec le bruit. Oh, bonsoir, Albedo. Tu es un personnage dont énormément de gens se foutent. Mais t'inquiète. Je pense que, ouais, Albedo, pour moi, c'est genre le 5 étoiles dont je me fous le plus, vraiment. Bon, j'imagine qu'on choisit si on veut une interaction avec personnage numéro 1 ou personnage numéro 2. Alors que tu regardes à côté, Utao, elle est giga populaire. Ah, Pingleo qui s'est lancé dans la quête. La quête de Mudae. Oh là là. Léo qui arrive dans la guerre. Mudae. Ouais, est-ce que j'allais regarder Utao. Utao, elle est à combien? Waouh, putain, 588. Ah bah, ça doit être l'une des plus élevées de Genshin. C'est qui le top? Ah bah, putain, c'est la top 1, Utao. J'ai eu Lucie. Non mais je sais, mais je suis un peu deg. Je vais pas te mentir. Parce que Lucie, dans la tier list waifu actuellement... Elle est évidemment tier A. Et elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e du tier A. Mais je vais la monter, quoi. Forcément. Je vais la monter. Et là, en regardant, elle va monter 4e. Elle passera devant Yui Yuigama. Après, Yui Yuigama, j'ai pas fini la saison 3 de Oregairu. Donc, je pense qu'elle reprendra des places. Mais bon, c'est en attendant. Derrière, on a la petite sœur d'Inata.
Anabi, je pense que pareil, lui, je vais la mettre devant. Derrière, on a Ichika Nakano. Bon, bah, faut que j'attende de voir le film pour savoir si elle montera ou pas, mais voilà. Après, on a Alice Nakiri. Et voilà. Du coup, Lucie, je la mettrai devant Alice. Et donc, derrière, Senjo Gaara de Monogatari. Derrière, Himeno, si je me trompe pas, de Chainsaw Man. Et derrière. Derrière. Putain. Sakura Jimamai. Voilà. Tu veux pas mettre ta tier list en épinglé pour que je te propose des échanges si des personnes. Attends. Pas mettre ta tier list en épinglé. Ah Si tu veux. Eh, en vrai, pourquoi pas. C'est pas con. Allez hop. Hop. Au cas où. Voici ma tier list. Voici la tier list waifu version 2023. Si vous avez des persos qui peuvent m'intéresser. Hop. Et je l'épingle. Alors, épingler. Tac. Et... Parce qu'après, j'avais dit quoi pour les joueurs Mugdae, j'ai passé la lime roule. Ouais, j'avais épinglé, mais ça, en vrai, on s'en branle. Il n'y a pas assez de gens qui jouent. Et de toute façon, ça sert à rien parce que la lime roule du serveur, c'est la minimum possible. On ne peut pas plus baisser ce bonus, donc je pense que ça va juste arranger tout le monde. Oh, Yae ! Je veux voir Yae, moi ! Destinataire incorrect. Quoi ? C'est une blague, donc j'ai vraiment eu de la chance avant. Passer. Oui, on veut passer, on s'en fout de Kokomi. Moi, je veux voir Yae. Pourquoi Kokomi en plus ? C'est à partir de qui t'intéresse vraiment ? Je te dirais toutes les. Je te dirais à partir des B, ça peut m'intéresser. Mais après, il y a beaucoup de B dont je me fous un petit peu en réalité. Donc, je te dirais 100% des S et des A m'intéressent. Et après, les B, ouais, les. Celles du haut du panier des B, peut-être, tu vois. Que là, attends, si on regarde. Alors, si on regarde, par exemple, au niveau des B, qui m'intéresserait bon, là, je passe sur tout le monde, ou oui, je les prendrais si je pouvais. Bah, y en a quelques-unes qui sont déjà tombées. Ouais, voilà. Putain, Saber, je l'ai mise là. Ouais. Ah, une Dadame qui est doublée par la doubleuse de Mawika. Si je descends un petit peu, je crois que je vais en retrouver une qui est doublée par cette doubleuse-là. Mais je sais pas où elle est. Je sais pas si elle est en top des C ou si elle est en bas B. Je ne sais plus. La perso principale... enfin, la perso principale. La meuf du... dans Isekai Yoji-san. Mais je sais pas où elle est, là, dans le tas. Mais enfin, bref. Ah bah, attends, mais oui, c'est vrai. Ma Kizenin aussi, elle est doublée par la doubleuse de Mawika, du coup. Mais là, par exemple, en qui j'ai déjà dans les B que j'aime bien, j'ai déjà Kiroko, j'ai Kilmaria, j'ai Toru. En perso, qui sont tombés mais qui n'ont pas été récupérés, il y a Maki, il y a... C'est Fiona son nom. Bon, il y a Mikasa, mais je l'ai. Il y a Minene, mais du coup, je ne l'ai pas gardé vu que c'était avant que je lance le bot Mudae. J'ai Kiroko. Je crois que c'est tout, là, dans le temps. Enfin, Cyber, mais je l'ai donné. Si j'ai Momo et Akeno, j'ai toi, et voilà. Après, je sais pas. J'ai Belzebub. Et voilà. Bon. Bah, je crois que j'ai fini l'événement, non ? Attends, blablabla, blablabla. Ouais. Alors, est-ce que... Attends, tac. Liste des missions. Visiter les réseaux sociaux. Regardez la vidéo de Natlan tous les jours. Ça fait beaucoup. Consommer, gna gna gna. Ouais, bon, attends, vu qu'on sait jamais que ça va m'ouvrir des liens. Bon, je vais au moins finir ça. Je vais finir ça. Bah, d'ailleurs, il y a le reset dans 10 minutes, du coup. Alors, ça y est, je suis allé sur le lien. Regardez la vidéo de Natlan. Ah yeah, je l'ai vu. Putain, non mais de la voir tous les jours, mais quel intérêt. Partager l'événement web une fois. Partager.
Voilà, ça y est, j'ai partagé. Ah mais du coup, attends, ça veut dire que je peux finir là. Livrer un colis. Sauf si on peut livrer plusieurs fois un colis au même, dans les mêmes régions. Vas-y, Tignari. Ah. Et moi, ça va, Tignari, je l'aime bien. Je m'en fous un petit peu, mais bon. Je préfère Collègue. J'ai vraiment bien accroché à Collègue. Je sais pas pourquoi. Ouais, Tignari, Osef. Hein. Sigiwini. Oh, c'était bien elle, trop fort. Il y a juste Yae parce que je voulais la voir, mais sinon, je me suis jamais trompé pour l'instant. Sigiwini. Elle, je crois que c'est la pire perso hydro du jeu, du coup, non? On va dire parmi les persos modernes. Après, j'imagine que ça... Non, pas Xylonen. Ça aurait pu, mais vu qu'on la connaît pas encore, en soi. Bon, on verra, je la dropperai peut-être. Oh, elle a vraiment une tête de débile, là, quand tu la regardes comme ça. Des branchies, mousse plume. Mais ça me sert à quoi d'avoir fait tout ça? Nous sommes de retour. Ah, c'était épuisant. Mais du coup, pourquoi ils disent de faire le truc tous les jours alors qu'il n'y a pas besoin? Changer de carte. Ouais, bah la mieux, c'est 8 à haut. Oh, incroyable. Carte d'anniversaire. Oh, de l'argent partagé. Ah, ça permet d'avoir des moras. Paf. Incroyable. Et ici? Après avoir livré, vous recevrez les colis suivants. Donc là, j'ai déjà tout eu, j'imagine. Ah non. Quoique. Attends, tout récupérer. Alors, j'ai beaucoup de moras, j'ai beaucoup de primo. Ah, recette, c'est ça alors. C'est ce truc-là que j'ai débloqué. Et alors, niveau primo, je suis comment? 83 800. C'est pas mal, quand même. Sachant que ma pity, je crois, elle est à 20. Ou 10. Elle est à 10. Et sachant que j'avais gagné... Non, j'avais pas gagné mon 50, mais bon, la dernière fois, j'étais déjà en 100% de je vais gagner. Donc bon. Ici, je suis à 25. Enfin, je suis à 24. Et je vais monter à 27 avec Kinich. Mais je vais continuer d'économiser tranquillement. Parce qu'après, derrière, en principe, voilà, j'ai quelques persos à monter. Hein. J'ai Mona. Là, je vais essayer de la monter le plus haut possible. Ah, déjà, je vois qu'il me faut des champipis, j'en ai plus. Oh, c'était tellement chiant à l'époque à fermer ces champignons moussus, là. Ah, super, j'ai déjà plus assez. Oh, c'était trop chiant à farmer. Avec Barbara. Et Kachina, elle veut quoi? Qui disait? Ah putain, mais j'en ai récolté tout à l'heure de ça. C'est rigolo, c'est rigolo. Pendant que j'étais en train de buter tous les mobs de Natlan. Oh, par contre, attends, je viens de voir, mais le boss qu'elle a besoin, c'est qui? Ouais, non, mais de toute façon, c'est pas grave, je l'ai déjà fini, le... comment? Kinich. Ok, bon bah, nickel. Bon bah voilà, donc si je récupère ceux de Kinich, je monterai à 20... à 29, mais j'attends de le monter en aptitude un petit peu. En artefact, je crois que je lui ai déjà donné des trucs bien. Ouais. Mais j'attends de le monter en aptitude pour récupérer ces trucs. Comme ça, je le récupère. Je le repère plus facilement. Ça me rappelle, j'ai pas encore fait le théâtre. Bah moi non plus, mais pareil, je le ferai en off. Je pense que... parce que si je regarde mon emploi du temps... Je crois que lundi, j'ai une grosse pause entre mon... Ah. Hop, tac. Ce lundi... Ouais, c'est ça, j'ai une pause de 16h à 18h. Donc je pense que je jouerai à Genshin à ce moment-là. Et puis voilà. Et après, je regarde... Ouais, en principe, mardi matin, c'est un cours qui sert à rien. Mercredi après-midi, j'ai un TD, mais franchement, pas trop envie de regarder. Ah oui, mais attends, mais d'ailleurs, attends, mais je suis un malade, moi, j'ai des trucs à faire pour l'école dans cette matière-là.
Attends, ça s'appelle comment cette merde? Attends, j'ai bien fait de regarder. Ah oui, j'avais totalement oublié. Bon, après, j'imagine c'est comme d'habitude que les réponses, elles vont tourner. Alors, ouais, c'est cette matière-là. Alors, attends. Pour savoir, est-ce que j'ai besoin de travailler cette matière ou est-ce que je m'en fous? Enfin, je m'en fous royalement, hein, pour le coup. C'est vraiment un truc de pure programmation. Alors, ça va finir pour quand, normalement, les QCM? Évaluation formative. Ah, on n'y a pas accès? Ah, si. Ça s'ouvre le vendredi 11 octobre et ça se termine le 17. Ah bon, bah c'est bon. Ouais, faudrait que je me mette une alarme. Là, tu vois, je vais me créer un événement. Tac. Ajouter un lieu. Eval formative. Hero 2. Voilà. Et alors, c'est pour le 11. À partir du 11 jusqu'au 17, du coup. Faire éval formative. Une en héros 2. Voilà. Ah, en quoi consiste l'événement? Bah exactement comme avant quoi. Éval formative héros 2. Paf. Ouais, je mets une note, c'est bien. Comme ça, je le verrai sur Discord. Et alors, je peux pas le voir mon événement là? Il est où l'événement que je viens de créer? Ah, il est tout en haut. Bon, j'espère que ça me fera une espèce de notification pour que je le voie. Eh ben, nickel. Eh ben, écoutez, sur ce... Bah, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais prendre mon temps pour continuer Natlan au niveau de la quête principale. Vu que là, je vois que ça se finit dans 3 jours. Ça se termine dans 3 jours, la bannière actuelle. Donc, je pense pas que je jouerai la semaine prochaine. Mais voilà, il y a de temps en temps des samedis où quand je me chaufferai, je jouerai. Mais voilà. Je m'en occuperai tranquillement. Voilà, dès que j'aurai un moment un petit peu de trou, que j'ai la flemme de bosser, tu vois, un samedi ou quoi. Eh bien, je ferai ça. Je vois notamment que la semaine du 21 octobre est très chill. Ah ouais, non, c'est à partir du 21 octobre où mon emploi du temps, il est giga chill. Là, c'est juste les deux prochaines semaines qui sont un peu... Ouais, non, quoique, non. J'ai juste le lundi où je fais du 9h-20h. Mardi, j'ai pas cours, en principe. Mercredi, j'ai 2h, mais je sais pas si j'irai. Jeudi, j'ai 3h. Vendredi, j'ai 3h. Donc, voilà, ça va. Et la semaine du lundi 14 octobre... Ouais, pareil, une semaine un peu chiante. Le lundi, je fais du 9-13. Le mardi, je fais quoi? Je fais du 9-17. Mercredi aussi. Jeudi aussi. Oh, c'est chiant. Quoi, cette journée de merde, là? Oh, putain, non, quoi? Mercredi, non, je fais du 9h-21h. Ah ouais, c'est ma pire journée. Bon, je crois que c'est ma pire semaine. Ouais. La semaine du lundi 14 octobre. Je fais du 9-17h ou du 9-20h, voire 21h, tous les jours. Sauf vendredi où j'ai un cours, mais auquel je n'irai pas parce que j'ai... Ah, quoique j'ai pas cours, mais hé hé. Vu que moi j'ai mal au genou, peut-être pas. Donc bon, ouais, et après, c'est hyper tranquille où j'ai un cours par semaine. Enfin, un cours par jour, pardon. Ouais, mon emploi du temps, il est très particulier. Enfin bref. Eh bien, c'est ciao pour moi. Ce soir, on termine Pokémon Xenoverse. Et puis voilà. Et bien sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce stream. Ou cette VOD. La VOD qui, je le rappelle, était la VOD numéro 222 de Genshin Impact pour faire le deuxième acte de Fontaine. De Natlan, pardon. Écoutez, on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming. Allez, salut.